Bonjour, président Marcel Mouima. Oui, bonjour, Ndeko journaliste. Bonjour, Nabalandinho, surtout à Congo Live Télévision, partout dans le monde. C'est toujours votre humble serviteur, moi, Namboka Marcel Mouima. Merci beaucoup, Namboka Marcel Mouima. Tu es un Marcel Mouima, côté de la politique et Mboka Nabiso. Quelle est la santé politique et la République du Congo? Oui, Mboka Nabiso, Malembe, Malembe. Ils ont été tambola. Malembe, Malembe. Moi, Malamu. Moi, Malamu, parce que. Nous avons un grand défi au Mokonzi Mboka à se lancer à Kinango, il y a une chimie totale dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aussi longtemps qu'il y a une chimie totale, il y a une chimie malade. Chimie totale, ça signifie un échec aussi, ce n'est pas un échec, parce que l'avancée est significative, l'avancée est tellement visible. Mais il y a un chef, il n'a pas réussi de mettre pied en l'Est, il va considérer son mandat comme un échec. Il y a un monde qui a un monde qui a un kimia total. Mais le mandat, j'ai presque la paix, mon ambo Kamasa. Oui, aussi, à Sali, c'est déjà bien. Parce que aussi à Sali, même la population, est-ce que le bateau de que non, Félix Tshisekedi, il y a un deuxième mandat à Yassir. Parce que Oya Sali, peuple est basali témoin, peuple est basali, ça dit basa reconnaissant quoi. Mais moi, Mboka Marseille, d'accord, qu'est-ce qui a fait oh lelo, je sais comment Mboka Bakimba on a Kishanga, on a dit que Oya Sali en Goan. Mais pourquoi Mboka Bakimba Bakimba Kishanga? Parce que ils ont un vent mogo Oyeye pour qu'on ait chassé définitivement par rebelle. Quel vent? Mais il y a une impiction mon Kozambo qui a pété ça au niveau il y a des forces armées à Bissau impiction on a y a des salis le loyo M23 a la délogé na Kishanga. Je ne sais pas ce qui aux autres loba qui n'ont pas imbo bazo Kishanga oba M23 va côté va côté va imbo va Kimi vont bazo déloger. Yo zali journaliste d'investigation, allez-y vérifier Kishanga ezali à 80, Kishanga ezali à 90% sous contrôle de la force armée d'Abisso. Donc, nos frères patriotes de Ouazalendou, c'était normal. Parce que Kishanga battait Zaki Makas. Et nos forces armées, Ouazalendou, la force patriote, délogeaient qui les terroristes M23 dans la carte de Kishanga. Et le M23, na mayel na bango ya mabe toujours na mayel ma kevelik na bango balinga ki va contourner ba Ouazalendou na axe gauche ya Kishanga et ba contourner ki ba récupérer Kishanga à 15%. C'est pour cela que au moins que nos populations côté population ba côté qui na comment on appelle ça na des bananes la population. Mais c'était pas que nos Kishanga une société qui tombé. Kishanga a dit que M23 a récupéré 15%. Mais dans le moment où tu as dit que Kishanga est allé sous contrôle dans son totalité, dans la force armée, il y a beaucoup de mission. Mais quand vous dites que les Ouazalendou vont en Boka, vous êtes en train de confier les Ouazalendou, vous êtes en train de confier dans l'IFRDC, Ouazalendou vont en Boka. L'IFRDC, il y a l'armée régulière. Non. Vous êtes en train de rebelles, vous êtes en train de faire des choses. L'IFRDC, vous êtes respecté, il y a un accord international. Il y a une accord au Salaki. Il y a une accord au Salaki au niveau Nairobi à cesser les faits. Après, vous alimentez Ouazalendou. Oh, mais après. Papa, Ouazalendou, ce sont des forces patriotes. Oyo, on a défendre l'intégrité territoriale. Mabele na bango, ezali intégrité. Partout dans le monde, armée régulière, bazakanaba réserviste. Sur aucun état d'Amérique, il y a plus de 1 million sur 1 milliard de réservistes. Il y a une loi. Loi. Pourtant, l'organisation est armée. Ils ont fait sa armée, ils ont fait un réserviste. Le loi est fatu. Fatu a activé la loi. Où est le mal? Il y a un défendre ma belle sous sol en Bokanabiso. Il y a défendre sol en Bokanabiso. Soutenu par le gouvernement congolais. Soutenu par le peuple congolais. Le gouvernement congolais. Mais soutenu par le peuple congolais. Ouazalendou. M23 ministre de l'Outaouais. Ah,
Natunio question te malgré les journalistes. Mais la raison ici lui aujourd'hui. M23 parce que ça soit. Et après, quand on a raison, on a raison que les Congolais ont soutenu le groupe rebelle, ils ont alimenté. Mais ils ont soutenu contre Banani. Pour la communauté. M23 combat nous pour sécuriser le peuple tout. Il y a eu un peu de temps pour le pouvoir. Il y a tout un ministère à mon aîné. Ils ont confié dans. Ministre Gizaro, Nyamulengi. Ministre des Travaux publics, celui le Congo dans un chantier, Gizaro Ndemutu, a sali comme maître. Il y a ministère wana. Il y a 4 armées congolaises, il y a des généraux, il y a des colonels, tout. Nyamulengi. On peut considérer tout, on peut considérer dans notre pays, nous avons ici la communauté, tout aussi. Comme tout le Bandande, les Tutsi, ce sont les Congolais aussi. Sorry, tu as dit que tu as une histoire, il y a beaucoup de choses. Dans le Congo, tu as une ethnie de tribu Oyo et Bengami Tutsi. Les Tutsi, ce sont des Baouta, des Baouti, dans le Rwanda, mais ils vivent dans la République du Congo. Mais ce sont les Congolais, non? Mais papa. Ils sont des pays qui sont gérés. Papa, la constitution de la Bissot est claire. Nationalité collective et Zalakate. Si il y a des tuts, il y a des préférences dans la société congolaise. Et ça m'a bête. Individualité, ça m'a bête. C'est un autre débat. Soit on a un débat, on a un débat. Toute une émission. Autobandi, maintenant, ce qu'on peut décortiquer, où tu es wapi, puis nani, où tu es congolais, toi, où tu es congolais. Voilà. Mais les gens disent que le Wazali de Wana, ce sont les rebelles, et nous par décès. Ce ne sont pas des rebelles. Mais il y a qui appelle les jeunes Congolais, surtout, pour créer un groupe d'autodéfense. Aux Hollanda, il y a qui appelle Luana. Il y a qui appelle Luana. Il y a des gens qui publiquement. Il y a des gens qui ont saisi l'opportunité de faire un groupe d'autodéfense pour défendre Mabele Yamboka. Où est le mal? Basali considéré comme un réserviste et armée congolaise. Exactement. C'est ça. Pourquoi bah, toi, tu ne comprends pas? Et nous sommes congolais. Tu retiens, mais tu ne pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu contre un ennemi, tu es terroriste rwandais ou M23. Tu es un contre RDF. Tu es armée régulière rwandais. Tu es contre le sol en Bissot. Alors, tu es défendre le sol. Tu es ma matriculité. J'insiste très bien, il ne fait pas partie de la 4e armée congolaise. Il a une matriculité. Il a un ronté. Il y a comme gratitude, soutien à l'armée Nabiso. Mais Blandimi, Bamika Bambeka, au nom du peuple congolais, au nom de défendre le territoire congolais, ce sont des gens à féliciter et encourager. Ce sont des gens à féliciter et encourager. Mon amour, Marcel Mouemba, quand vous dites que vous avez. Bon, au cas où les peut-être basé pour remporter bataille wana partir dans bango na mboka la république ezali wana pour nous récompenser bango. Est-ce que ça va pas créer aussi une ce sont des congolais oyo bazali de père et de mère né na ko bango na sens mususu. Donc quand bazoko bunda wana quand il défend la nation, il défend la nation avec l'âme et conscience. Que ce sont des Congolais, que maman, bango, papa, bango, bilingue, mboka Congo, si ba kufi mingi. Il y a des jeunes oyo, nena ebisio, ba telemi pour nous défendre. Et la République est indifféremment na bango te. Et la République est récompensée bango d'une manière d'une autre. Merci beaucoup, mon amour, Marcel Mouma, aussi pour défendre la question d'Angaï, au conseil sur la situation sécuritaire en Burkina Faso et aussi la fumée blanche aussi des Obima sur médiation entre gouvernement congolais et gouvernement Kigali et précisément Rwanda. Aux assauts médiation à Lorenzo, Zoa Lorenzo. Tant qu'il y a eu patriote, est-ce que ça va apporter quelque chose aussi dans cette négociation-là? Papa, nous avons fait beaucoup de dialogues, beaucoup de négociations avec Rwanda. Ces gens-là, basali sincérité. Et mon conseil en bas, si y a ébi ango, phase haut aux anango. Je pense que Hollande a position, il y a gouvernement congolais à travers le ministre des Affaires étrangères, tant à Zaïre qu'à niveau à ONU.
Tolobi boye, Rwanda a retiré ba militaire na yena sol congolais. Point barre. Tozan elo ko négocier na bangote, biso tozan elo ko futa bangote. Rwanda ne baza na problème na biso parce que bangonde ba ko si ba militaire na bango e baza ko soutenir ba force négative pour na ko déstabiliser est République démocratique du Congo. Et biso tozali clair. Ba message au ya gouvernement à travers le ministre des Affaires étrangères, ezali clair. Rwanda a retiré ba militaire na ye na sol congolais. Preuve encore, il y a deux jours passés, ba ou ko capturé un certain général colonel rwandais. C'est le montage qu'ils sont en train de faire, madame Moukama. Mais papa, ba kangi colonel rwandais o ba preuve une chose ali tangible. Aza ko lo ba kinya Rwanda, aza na matricule rwandais. Aza na ba carte na ye comme militaire rwandais yo lobi ke no montage mais wana je sais pas si na ko ba no logo nini yo pe ba traiter yo comme non lobi ka parce que comme na ye membre ya M23 koma parce que ye moko azali ko reconnaître que atinami na Rwanda ba preuve ezali ezape mba liboso te la suppression au bosaki yangwana c'est ba document na ye ba document na yo za ko prouver que non c'est un citoyen rwandais. Si ko ba document ba zali fabriqué par le gouvernement congolais. Ba document zali ba image na ye zali. Numéro matricule na ye zali comme militaire ou prestataka régulièrement na quatre armées rwandais, c'est un colonel. Donc biso na Rwanda to ko négocier. Rwanda ndé a retiré ba militaire na ye derrière na quatre ya sol congolais. Point barre. On a retiré ma troupe na yena il y a quelques ordonnances au chef de tout signé awa de ce comme on a colonel et dit capitaine de l'eau avec qui radié actuellement général de brigade général de brigade comment le petit fait ce qui dit pé salut lui mange il y a Laurent Désiré Kabila à Rosali il mange à Laurent Désiré Kabila nanini toi la li meurtrier meurtrier en quoi Procès à Edi Kapel et Sila. Papa, Kolikate, Bah yebi saki yoke. Ozali la décision où la justice est condamna définitivement général Edi Kapel. Il y a boire à manger papa. Tika ko la musale nani marambo c'est la. Général Edi Kapel azali wana au service de la nation. Azali akangamaki banda 20 ans. 20 ans je vous dis, akangamaki 20 ans. Injustement, voilà. Là, vous dites injustement. Injustement, 20 ans. Une arrestation arbitraire. Pour flouer l'Iwa Laura Désiré Kabila. Un père de famille, ou à Tika qui banane pendant 20 ans. Kolingate, général Edi Kapel, a porté gouvernement, l'État congolais plainte. Parce que quand il y a un nom à l'État. Mais bah responsable bah quand à l'époque on est à l'état basalier en vie au lugati que nos généraux d'icapel yep a porté bah on pleure mais bah dommage j'ai intérêt mais pourquoi le chef de l'État juste a voulu que à la na commandement et 22e commandement et régiment na Katanga mais parce que pourquoi c'est un Katanga du sang et ayebi Katanga malam qu'est-ce que vous avez peur de John Numbi mais pourquoi John Numbi ne akima l'État congolais. Azana problème de la justice congolaise. Oyo ya dossier à Chebea. Oh tout le monde a yebi yango. Akima koya ko répondre na dossier wana. C'est John Numbi na problème na l'État congolais. Azana même na problème na président de la République ité. Mais azana problème de na l'État congolais parce que la justice congolaise ne elukaka John Numbi. Et la nomination, il y a général Edi Kapel, ok, je salue à Pansa, c'est une nomination stratégique, Ndeko. Après, nous, Tokoki, ko blague, l'issue, Souna, ou étant ami,
intérêt à mboka te. So que na mwana mboka oyo atako garantie ba intérêt à mboka. Le col ba général dit qu'appel pourquoi pas ba chaye en exercice ba chaye mise en œuvre à ça la République. Pourquoi pas? Yondo okoki ko qualifier on le biwa que non toto banga John Numbi non. John Numbi peto chelie ko imobali mususu oyo azali makasi. Oh, c'est vrai Katangé. Oh, yebi Katanga koleka John Numbi. Tu tiens à Katanga. Yesko John Numbi aya. Kanga ndenga jenga chiwe wa lobagi soko zali mobali yaka. Biso to daki c'est que non to se préparer déjà. To yebi kabal o baneko préparer. Ba oneko préparer ba bimisa rébellion. Koleka même M23 na niveau à Katanga. Avant de commencer en décembre pour que non élection c'est le matin. Clique wana ba Katangé de o ba Katangé bazali. En pec de vitesse, ma Kabila, ma Moïse Katumbi, ma Ngotu wana bloc wana. Ma bongama dit déjà, pour que nous ne créer rébellion na Katanga. Ba créer même tout le ba sécession. Ba créer sécession. Na ebiso, il y a des officiers actuellement. C'est une révolution non ça la yo pe ba na mboka balanda. Il y a des officiers au bazali maintenant la demiap. Parce que tant que John Numbi a lobaki était d'emblée comme ça. Bah prépara qui déjà kabal na bango nengeni eko se passé bah se prépara qui ti tango aza ko s'adresser na ba officier ya force armée ayé ba y a des officiers oyo bazaki déjà connivance na yé pour qui non ba créer rébellion to ba créer sécession na niveau à Katanga sous John Numbi mais Dieu est bon fait ce que des alliés en Zambé et carte na bango des alliés de jouer. Il y a des officiers au bazo répondre ce qu'on a des miapes. C'est pour cela mon conseiller Mboka a une ordonnance spéciale parce que comment ça n'a été le général Edi Kapel a zagi révoqué na carte armée injustement. Il a fallu que bimisa ordonnance il y a réintégration na yé. Donc il y a un moment mon conseiller le jour où il a nommé le général Edi Kapel, il y avait 3 ordonnances pour na mutumoko. Ordonnance, il y a réintégration. Donc, je suis ici, dans le 4e, ordonnance, et levé, et tombolier, et commissier comme général de brigade dans la force d'armée. Mais ordonnance, et PCIE maintenant, si quoi, fonction comme commandant de la 22e région militaire, Kuna na Katanga, précisément au Katanga. Merci beaucoup, Mme Mboka Marseille, pour la précision de ce que vous précisez. Tout ça, même Mkongoubila aussi, au chef de l'État, a signé retourné. Pardon? Mkongoubila. Le pasteur Mkongoubila. Oui. Mais c'est un Congolais. Ouais, Oyo. Il y a la signe de la sécurité de l'État à l'époque. C'est un Congolais, papa. Oui, il y a la signe de la sécurité de l'État à l'époque. C'est un Congolais, Oyo, à mon avis, qui est allez, activez, papa. Constitution ya mboka na biso na article 64 ezoko pesa congolais c'est une ningisa ya ko telemela batu oyo bazoko linga bazwa bo constitu ba exercer bo constitu na lenge ya mabe a l'époque ya ndeko Kabila il faut pesa biso ba preuve oyo ye moko fa yulo zali incapable ya ko mettre ba preuve que mboka ezali mal géré to mboka ezako géré d'une manière dictatoriale. Mais il y a des gens qui sont là, ils sont journalistes, ils sont là, Kabila sont là, ils sont là, ils sont là, tout le monde a fausse commune, les Congolais sont là, ils sont là, Kabila sont là, ils sont là, 2 ans. Donc ça, a confisqué le pouvoir. Et il y avait des Congolais qui sont là pour défendre Mboka Nabiso. C'est un compatriote qui a appelé un coup de chapeau, à tel moment qu'il a rebondi dans Mboka. Merci beaucoup, Mme Mboka Marseille. Moi, je vais te parler sur le dossier Matata Ponyo. Tu pensais que Matata Ponyo est Akimi. Bon, enfin, Matata Ponyo est de retour à Kinshasa pendant qu'il va confronter la justice congolaise. Comment est-ce que la détermination de Matata Ponyo vis-à-vis de la justice? Il est déjà dans le niveau de la justice. Kobi Manaye, a une autorisation au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour que non abîme que se faire soigner. Alors, ce qui m'a dit, il y a mon homme dans la commune. Le col à Zongi, dossier doit continuer. Bisso, tu as là-bas, Spéni, surtout au même sujet que non, à Kenaki, à Zongi, non. C'est la fin qui justifie les moyens. Tu as causé le dernier verdict de la Cour constitutionnelle
Parce que dans le dossier, c'est un dossier extrêmement grave. Mais quand vous avez un niveau de coût constitutionnel, vous avez un pognon, dans le dossier, vous avez mérité prison. Vous avez 80 millions de dollars. Quand vous avez consommé la graine, 80 millions de dollars. La graine pour la colonne, ma sangou. Et ma graine, ma sangou, et mon anaté. Papa, rien que quand on a fait wana. Rien que quand on a fait wana. Yo, lia ma sangou wana, au moins on a fait. Rien que quand on a fait wana, ma tata ponyo azali, mon kangami. Aza mon kangami. Je sais, ma tata ponyo aza ko kene ko négocier. Wana, il faut faire la réversion à Banamboka. Aza ko kene ko négocier. Auprès de la communauté internationale, pour la justice congolaise, bon, il y a un mot, ok, à la ligue candidat dans l'élection présidentielle. Il y a possibilité qui, sous prétexte que non, justice est la délaité. C'est ce que mon enseigne a validé. Hein? Sous justice est la délaité. Mon enseigne a validé, ça va. Hein? La justice congolaise, avec l'actuel patron à coup consonnel, à ça qu'on travaille. Dieu donné Kalouba. Non, l'actuel patron à coup consonnel, le nom de Chapenga. Président à coup consonnel. Kamouleta. Voilà, Dieu donné Kamouleta. Aza qu'on travaille sous vision et mon Kozamboka que justice est à la indépendante. Donc, ma tata Ponyo, le lot, malgré ma neve, je suis en Kalouba. Aza lui, le lot, dans la justice congolaise, et tout ça, c'est la verdict de coup consonnel. Mais la paix sur l'élément, mon corps, au ma tata Ponyo, à cause de sa sortie. Merci beaucoup, mais est-ce que vous avez validé la carte à CENI déjà, maintenant on a... CENI a invalidé la carte. C'est la cour consonnelle a invalidé la carte. Mais vous avez... CENI a Zaliwana pour qu'on recevoir la candidature. CENI a écarté quatre candidats à condition au coquissaba dossier au Yessengam à la CENI. Ok. Sur le coquissaba dossier, l'authenticité du document, c'est la cour consonnelle de Moutou à pouvoir Kayango. Il y a moi-même Maurice Katumbi ici à larguer les médias pour annoncer oh non, il va écarter Maurice Katumbi. Parce que il y a moi Maurice Katumbi a yebi que le document a été authentique. Mais ce que Herman Cohen a lobby en haut que non, les opposants congolais, il ne fallait pas qu'il y ait une élection à Félix Tshisekedi en temps haut. Parce que Félix Tshisekedi, il n'y a, a pas un opposant au à cause de la face de Félix Tshisekedi dans l'élection. C'est Herman Cohen. Et Herman Cohen a n'importe qui. C'est pour cela que nous avons opposé à ce qu'on a fait se réunir. Nous avons opposé à ce qu'on a fait se réunir au niveau de la Belgique pour ne pas se réunir. Pourquoi nous avons opposé à ce qu'on a fait se réunir? Pourquoi? Ah! Opposition va aller prêter. Bah y'a bien que nous n'engageons qu'une élection. Bah qu'on est hors de dispersé, bah qu'on est hors de dispersé, comment on a besoin d'aller échec. Mais bah l'ingé quand même, bah mi pèse à moi chance, chance, oyo, bah négocier attend après élection. Chance en gros une, bah qu'on est, oyo qui oyo, monsieur oyo, y a un mouton, un mètre peu, voilà. Donc moutoumoro, je sais pas, à salir politique, bah moule belé mais. Tissikoyo, aïe barakoussa, l'exit politique. Voilà, n'engue le lot, à qui on perd les 100 000 dollars. Ils allaient non remboursables. Ah, à perdre les 100 000 dollars. Aza qu'on l'a déjà, aza qu'on l'a que non, opposition basangana. Opposition basangana. Oui, pourquoi opposition basangana? Yé, azali wana derrière Moïse Katumbi. Parce que 100 000 dollars wana, en réalité, ce n'est pas lui-même qui a fait ça, c'est Moïse Katumbi qui a fait ça. Pour Moïse Katumbi, aza qu'on zéla que, opposition basangana. Alors il a fallu azana ba. Ma candidat est belé au hier, mon déjà alimenté qui pourtant bah qu'au sangana. Ma candidat on a bah défendre sort naie tout bah pour naie. Au y a mon boni Fayulu à comprendre des cabales et ça belé hier des candidats potentiels opposition. Aïe mi cabale ouana. Parce que na niveau ya Moïse Katumbi mina Denis Mukwege Bazali ma candidat oh yo Bazali Bazali à Union européenne. Bazali ba candidat oyo bazoya ko bazala pona mete Union européenne et Union européenne tonga a sangisani ya isukino ba opposant pona sora deux personnes wana deux personnes wande na bomi bala mon le ba ko ma candidat opposition ozo mona Martin Fayulu de sa beleli c'est pour cela mon kozamboka loba ki ngo lo akino de son dépôt ya candidature que tangu ba père na bango ba kolo na bango ba kosala appel ba sangana. Au moins, on va se réunir.
Mais ce sont l'Occident, l'Union européenne. Ce sont l'Union européenne. Merci beaucoup, Marseille. Nous sommes presque à la fin. Mais je suis que nous avons partout dans le monde entier. Message à ceux qui sont allés dans les Congolais, surtout. L'heure a sonné. Maintenant, nous sommes cap vers les élections. Élections Oyo, Félix Tshisekedi, alors que vous avez deuxième mandat. Et les Congolais, surtout, tous à la focaliser pour notre élection. Parce que c'est constitutionnel, élection, il est signé ça à 5 ans, chaque 5 ans. Le lot de ça comme on a, nulle part au monde, opposition et bonne élection. Mais à on a quand il y a Congo, opposition, des bonnes élections. Tout le monde a raga, n'a pas beaucoup surtout pour voir des moutes ça va manœuvrer pour que non, élection soit limitée. Mais tout comme il y a monde dans le Congo, pour voir des gens comme ça, et ça, ça m'insocie pour que l'élection soit libre. Mais l'opposition, ils ont une élection, il y a une manœuvre dilatoire, surtout pour que l'élection soit libre. Donc, le peuple congolais doit comprendre que nous sommes dans les bons et le pouvoir qu'ils ont en place, c'est le pouvoir du peuple. Tout soutenir mon conseiller à 100%, il y a des alliés, Josué à Congo, pour que le peuple congolais soit promis. Merci beaucoup, Mme Marseille. Gagnez encore une émission de journaliste.